Bonjour, merci d'accorder cette interview pour Andy. Nous sommes avec les Electric Device, donc Loïc, Seb, JP et Eric. Aux guitares. Voilà, donc avant d'entamer les hostilités, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table pour que vous expliquiez votre historique, vos influences, chacun. Voilà, Loïc. Allez, j'attends. Pas trop. Le patron, ouais. Le patron, le boss. Et bien donc, Loïc à la basse, depuis la création du groupe en 2017. Ça va faire 7 ans. 7 ans. Voilà, mmh. Le premier album est sorti en 2020, là on arrive sur le deuxième, et du coup les influences, aussi bien sur le premier que sur le deuxième, sont assez variées. Ça va du heavy, avec des pointes de thrash, un peu de punk, un peu de hard rock. Mais je pensais plus à tes influences à toi avant de parler de. Eh bien, mes influences à moi regroupent à peu près c'est tout ça. C'est exactement. Okay. C'est exactement l'objectif du groupe. D'accord. Ce mix d'un peu tous les styles. D'accord. Et c'est aussi. Donc ça correspond ça aussi correspond à mes influences. Ce qui est normal puisque tu es le boss finalement. Ok. Voilà. Tonnier. Ok, alors Seb, qui a un lourd historique de lourd. Quelques décades. Ouais. Eh oui, le temps passe. Ben écoute, moi je suis avec les gaziers là depuis, je sais pas, ça fait un an à peu près. Ouais. Puis l'année dernière, on va dire. Ouais. Et ben écoute, ils avaient besoin d'un gars parce que leur précédent guitariste est parti. Ouais. Donc, ben écoute, je me suis dit, bon, je vais les dépanner dans un premier temps. Et puis, comme. Bon, ça me plaît bien, cette histoire. Bon, voilà quoi. Ça change puis, un petit peu de style. Bon, c'est un petit peu la guerre avec l'autre abruti à côté là, mais. Non, donc, ça, donc... non, non, mais c'est justement parce que c'est très cool, qu'il y a une bonne ambiance et que. D'accord. Et que voilà, que je tape l'incruste en fait. Voilà. D'accord. Et sinon, on peut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ton passé que tu as œuvré dans Titan essentiellement, ouais. Titan essentiellement. Titan, dans TNT aussi, le tribute ACDC. Donc, ouais, ça fait un petit moment que je gratouille, quoi. Et, donc, voilà. Et tes influences perso bon, elles sont variées aussi. Bon, après, je suis foncièrement métal, hein, mais métal hard rock. Mais bon, après, voilà, il y a plein de trucs qui m'accrochent hors métal. Même si ça reste mon fond de commerce. Donc, okay. Après, voilà, le métal, j'écoute du old school comme j'écoute des trucs plus modernes. Voilà. Ok. C'est assez varié, on va dire. Ok, ok. Ça marche. Ça te va? Impeccable. Impeccable. C'est validé. Si tu veux en dire plus, tu peux. Non. Mais je pense qu'on a fait le tour en quelques mots. Voilà. Ouais. Donc, Eric. Ouais. Donc, moi j'ai rejoint le groupe un an après le démarrage, ou 6 mois peut-être. Même pas, ouais, voilà. T'es arrivé en août. Donc, et il fait presque partie des fondateurs. Tu fais presque partie quasi, des fondateurs. Quasi. Un contrat première version. D'accord. Non, et puis c'est super agréable, on passe des bons moments parce que, effectivement, l'idée c'est de se faire plaisir musicalement, mais aussi sur le plan humain. Et on profite de chaque occasion d'être ensemble pour jouer et se marrer. Pourtant, tu prends cher. Hein. Le souffre-douleur, quoi. Et voilà. Du coup, mes influences, moi, sont très éclectiques en termes de musique, mais mon cœur est trash. D'accord. Donc, je suis plutôt Slayer, Angelus Apatrida, ce genre de choses. Ouais. C'est ce qui me fait le plus vibrer, mais j'aime un peu tous les styles, métal et pas que. Okay. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est le week-end de Pâques. Oh putain, quoi. Elle est placée. Ah oui. Ok, donc JP, le nouveau chanteur, si j'ai bien compris. Oh, nouveau, enfin, nouveau fait... depuis quand? Ça fait 2 ans. Deux, trois ans. Enfin, nouveau pour moi, parce que je vous avais vu à Mouringue, je crois. Donc... Qui était le dernier concert avec l'ancien Rain. Ah, qui était le dernier, voilà, ok, d'accord. Voilà, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, oui, c'est vrai. Ok, donc tes influences, et puis est-ce que tu as fait d'autres groupes? Alors oui, j'ai fait d'autres groupes il y a bien longtemps, rien de très connu. Oh, quand même. Non, rien de très connu. D'accord, après, des groupes locaux, on va dire. Ouais, groupes locaux. Et tu as fait pas mal de covers aussi.
Ouais, pas mal de covers. Pas mal de covers. Donc une et belle expérience. Pas que métal, quoi. D'accord. Beaucoup plus gentil que ça. Ouais. Et après, si tu veux, mes influences. Bon, vu mon âge, hein, on fait plutôt dans la vieillerie. On est plutôt dans le monde. Charles Aznavour, Barbara. Après, beaucoup, principalement Motorhead. Ok, old school, on va dire. Très, très old school, ouais. Oui, ok. Motorhead et le déclencheur, je tiens à le souligner aujourd'hui, c'est Killers. Ah, Killers, ouais. Parce qu'en fait, je suis du même village que Bruno. Bruno. Et pour nous, à l'adolescence, ça a été le déclencheur. Quoi. Ouais, le modèle. Donc ce soir, tu vois, Killers, Patrice avec Titan. C'est une belle affiche. Il m'a fallu 30 ans pour partager l'affiche avec eux, mais j'y suis arrivé. Oui, oui, oui. Le cheminement fut long, mais ça y est. Plus c'est long. Pour la petite histoire, son pseudo lors des annonces, c'était Lémy quand même. Ah oui. C'est vrai. Lémy bon voisin. Lémy bon voisin, c'est vrai. C'était pour donner une idée du style. Quoi, tu vois, c'est vrai que Motorhead, pour le coup, c'est quelque chose qui nous rassemble, pour le coup, dans oui, tous les membres du groupe, on s'y retrouve. C'est de la merde. Ok, ok. Donc, premier album, The Electric Club, est sorti en 2020. C'est ça. Via le label MEO Music. Ouais, exactement. Donc, deux questions. Est-ce que cet album a bien marché? Et est-ce que vous êtes content du... Est-ce que vous avez été content du label? Puisque je crois que vous avez changé. Alors, l'album est sorti en pleine période du Covid. Oui. Donc ça, c'est quand même un élément qui est un peu perturbateur, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'à la base, entre le plan qui était prévu de soutien de la part de MEO Music et ce qui s'est avéré au final, ça a été un peu biaisé avec la période où il n'y a pas eu de live, il n'y a pas eu trop de soutien de l'album. Et en fait, on a commencé à faire des dates principalement pour l'album en 2022, après le Covid, et du coup l'album était sorti 2 ans avant. Oui, donc... Voilà, donc le label nous a quand même permis de jouer au Hellfest Off, c'était oui, vraiment... voilà, on s'est régalé. Après, on a eu des dates super sympas en 2022, on a aussi tourné en Espagne, mais du coup, on n'a pas pu juger à 100% de ce qu'aurait dû être le plan initial du label. Oui, et oui, oui, oui. Pourquoi on a changé pour le deuxième? En fait, on était en contact déjà pour le premier avec Alain Ricard de Brennus. D'accord. Et on avait hésité à le sortir chez lui, et là on a rediscuté à la sortie du deuxième, et même s'il a un peu pris de distance avec le marché du disque et de la musique, il était super emballé de nous sortir l'album, du coup on s'est dit qu'on allait cette fois partir avec lui pour le deuxième album. Puis pour voilà. Le coup, Brennus, tu remarqueras qu'on a tous un certain âge. Oui, 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 oui. Et pour nous, Brennus, ça résonne... Dans notre adolescence, c'était le label voilà. Emblématique. Oui, oui, oui. Avec Alain Ricard. Mais ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'il était censé avoir pris sa retraite. Et puis apparemment, il reprend du service. Alors, il travaille avec les groupes auprès desquels il a soit un petit historique, parce qu'il avait travaillé avec Flosh sur Killers. D'accord. Et ça lui faisait plaisir de retravailler avec Flosh et avec nous, peut-être. D'accord. Voilà pourquoi nous sommes chez Brennus. La raison, oui. D'accord. Comment ça se passe? Qui fait quoi au niveau de la composition? C'est du collectif? Comment ça s'est passé? Qui a composé? Les compos du coup datent à peu près toutes de la période 2020-2021, l'album principalement composé pendant le Covid. Et à peu près la même méthode qu'on avait appliquée sur le premier album, c'est-à-dire que chacun amène des idées, soit de morceaux finis, soit des idées de riff ou de bout de morceaux. Et après, collectivement, on finalise ce qui donne cette espèce de musique un peu hybride entre le heavy, le thrash et le punk de The Electric Devils. En général, ouais, on ramène une bribe d'idées, des riffs ou une structure. Mm. Et puis ensuite, tout le monde rebondit et amène sa patte dessus. D'accord. Et ce qui donne ce mélange qui nous plaît à tous. Ouais. Parce que l'important, c'est qu'on se retrouve tous dans tous les morceaux. Quoi. Mm.
Donc dans les deux petits nouveaux, là, toi du coup, t'as pas eu pu. Non, 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 pour l'instant, j'ai pas. Encore, non, non, moi, je ne me suis pas encore investi dans la composition. J'ai fait de l'arrangement. J'ai arrangé quelques parties guitare sur les anciens morceaux. Voilà, histoire de mettre ma patte et tout en respectant l'œuvre. Donc non, mais c'est intéressant aussi. Moi, j'adore ce boulot d'arrangement. C'est très, enfin, ça m'intéresse vraiment, quoi. Et de magnifiques solos. Voilà, on va quand même préciser qu'il participe grandement à la moitié des solos de l'album, quand même. Oui, ouais, sur l'album. D'accord. Alors, c'est la guerre, c'est la voilà, guerre. moitié. D'accord. Ok. Au niveau de la production, vous avez tout fait ou vous avez... Non, on est allé au studio 117 à Abbas, on a enregistré au studio au début 2023. D'accord. L'album a ensuite été mixé au studio 117 et masterisé par Pascal Etchepar pour finaliser ça. Voilà. Donc, non, on n'a rien fait nous-mêmes. Et vous êtes content du résultat? Et on est très satisfait du résultat. On est impatient d'écouter ça. Et nous aussi. Et on est impatient que vous l'écoutiez. On est impatient de ça. Alors, c'est notre graphiste national, Stan W. Decker, qui a réalisé cette belle pochette. Ouais. Quel était le cahier des charges que vous l'aviez soumis? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Un patchwork. Alors, comme sur le premier album, je lui ai envoyé à peu près 2 pages Word. Voilà. D'accord. C'est assez... Mais apparemment, il n'a pas l'air de trouver ça contraignant. Je pense qu'on a trouvé un bon compromis. Parce que l'idée des pochettes, c'est de mettre à peu près un clin d'œil de chaque morceau sur la pochette. D'accord. Donc voilà, il est quand même assez guidé, mais après c'est quand même lui qui fait d'un brouillon horrible une belle pochette. Donc tout le mérite lui revient. Oui, je me doute, mais des fois on demande un thème particulier, etc. Donc là c'est plutôt toi qui donne un brouillon. Je crois que du coup, pourrais lui, si tu lui poses la question, je pense qu'on fait partie de ceux qui lui donnent le plus d'indications. On va pas dire casse-couille, mais précis. Par rapport à la première pochette, c'était une de celles où il y avait le plus de calques de toutes celles qui avaient fait les cours. Ah oui. Mais non, alors, et puis gros travail de Loïc aussi, parce que c'est lui qui est en relation du coup pour gérer cette partie-là. Okay. Parce que effectivement, si on multiplie les interlocuteurs, ça devient encore plus compliqué. Et effectivement, il amène quand même pas mal de billes d'entrée pour être relativement quand même précis sur le contenu. Et après, Stan nous fait des rendus magnifiques pour mettre tout ça. Un bon résultat. A priori, je pense que les indications sont assez claires, parce qu'aussi bien la première pochette que la deuxième pochette, on lui a quasiment rien fait retoucher. D'accord. Dès le premier jet, en fait, il était dans la... Non, puis il faut reconnaître qu'il fait... Bon, plus une expérience, une longue expérience. Aussi bien pour le premier que pour le deuxième, à chaque fois on est super content quand on voit le rendu des pochettes. Ça nous tient à cœur et on est content du résultat. Ouais. Au niveau des thèmes, quels sont les thèmes abordés? C'est peut-être JP qui est à la source des thèmes, non? Du tout, moi je suis arrivé, si tu veux, 90% de l'album était fait, donc je me suis juste posé dans le fauteuil, quoi. D'accord. Le plus souvent c'est le chanteur, mais là comme tu es arrivé un petit peu plus tard. Je vais être honnête, j'ai repris le boulot de mon prédécesseur. D'accord. Sans quasiment rien toucher, quoi. Okay. En amenant ta patte, quand même. Ouais, oui. Non, il a quand même retravaillé la longueur des pieds pour rendre certaines paroles chantables, on va dire. Oui. Non, puis le côté lyrique de la chose. Après, l'écriture des textes en eux-mêmes, là aussi, c'est beaucoup de Loïc, ce qui explique son statut de boss. Mais non, après tout ça mis en forme par JP. Avec son côté lyrique, qu'on lui connaît. Donc au niveau des thèmes, ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, il y a la suite, parce qu'on a une histoire, où les deux pochettes sont inspirées de l'histoire. Il y avait deux titres qui étaient issus de cette histoire sur le premier album. Leave Fast et Party with the Devil King.
Et donc là, sur le deuxième album, on retrouve cinq chapitres de l'histoire. D'accord. Donc je laisserai lire les paroles pour voir la suite de notre héros qui est représenté sur la pochette. Voilà, ça parle un peu de voyage en enfer, de démons et de possession d'âmes. Tout ça qui se passe dans le fameux Electric Club. Et oui. Voilà, du coup, le morceau The Electric Club, d'ailleurs, qui est sur le deuxième album, alors que le premier album s'appelait The Electric Club. Voilà, c'est tout à fait voulu. Le morceau du The Devil's Playground, qui est donc le nom du deuxième album, sera sur le troisième album. Ah, d'accord. Ouais, ouais. On a toujours un coup d'avance. Un coup d'avance ou de retard. Après, oui, il y a quand même quelques chansons qui tournent autour de la boisson, des boissons d'accord. diverses et variées, avec leurs différents excès. Ouais. Et après, oui. des thèmes un peu plus d'actualité, voilà, sur des relations humaines. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, moitié fantasy, moitié réaliste. Ok, ok. Voilà. Et du coup, quels sont vos espoirs, ambitions? Est-ce que vous prévoyez des dates après la sortie de cet album? Alors du coup, de caler et d'annoncer, on joue début août au Big Rock Festival, à côté de Tarbes. À côté de Tarbes, oui. Après, on a quelques dates dans les tuyaux, côté espagnol, et une autre date à Pau avec une première partie fort sympathique, mais c'est pas encore annoncé. Et d'autres dates qui devraient... arriver au fil du temps, on espère. D'accord. En sachant que... On avait bloqué les dates il y a à peu près 6 mois, le temps d'attendre que l'album sorte. Voilà, parce que du coup, on voulait commencer à faire les dates l'album. Après. Donc, Bidash aurait peut-être pu tomber après la sortie de l'album, mais les délais imposés par les maisons de disques, les productions, ainsi de suite, on en ont fait autrement. Mais du coup, à partir du mois d'août, voire même si ça tombe, on a peut-être une date en mai, mais sous réserve, d'accord. ça sera pour défendre le nouvel album. Donc, à partir de là, on va rentrer dans la nouvelle... Il y aura du vinyle. Alors pour l'instant, il n'y a que du CD. Dans un deuxième temps. Je pense peut-être. Qu'on peut être honnête. Les frais engagés pour produire un album sont énormes. On a pris la décision de ne pas faire de crowdfunding. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui recourent à cette solution. On s'est dit qu'on investissait nous-mêmes, on sort l'album. Et une fois qu'on aura, on l'espère, le retour sur investissement. Une bonne réponse. Voilà, on sortira le vinyle dans un second temps. D'accord. Mais dans un premier temps, on va dire que maintenant, il faut remplir les caisses, donc on peut passer le message. Il faut nous soutenir. CD, t-shirt, merchandising, soutenez-nous. D'accord. Ok. Bon, mais avant dernière question, c'est simplement une question générale. Quel est votre meilleur souvenir en tant que musicien et le pire? Allez, à toi. Bon, j'attaque. Ouais. Le meilleur souvenir dans The Electric Devil, je pense qu'un des meilleurs souvenirs, ça a été la première date. Parce qu'on avait fait on avait commencé le groupe en mai 2017, si je me rappelle bien, et en octobre, on avait commencé à démarcher pour voir s'il allait se passer quelque chose. D'accord. Et on avait fait une date en janvier 2018, donc 6 mois après la création du groupe. Donc c'était quand même très très cool de sortir directement 6 mois après du local de répétition, en sachant que l'objectif premier du groupe, dans le cahier des charges, on va dire, de l'origine, c'était faire de la musique orientée pour le live. D'accord. Des refrains catchy, des morceaux punk, hard, heavy, d'accord. mais taillés pour le live. Qui transmettent de l'énergie. Voilà, donc c'était super de sortir de suite. Mm-hmm. Et mauvais souvenir... Le pire des pires. Alors, je ne sais pas le pire des pires, mais moi ce qui me vient à l'idée, c'est quand on fait un concert et qu'on arrive et que le catering est vraiment horrible. Ah oui. C'est vraiment... quand on voit qu'on se fout de notre gueule, je pense que ça fait partie des moments où tu te dis... c'est un mauvais souvenir, voilà. Je citerai soit les sauts des beaux triangles, soit les chocolatines ou pain au chocolat qui sont ouverts depuis 2 semaines. Bon, voilà. Des trucs comme ça à ne pas faire. Ah bon, entendeur, salut. Salut. Seb. Okay.
Tu veux de Ton manière meilleur son. générale ou juste Electric Divorce? Parce que j'ai pas Non, beaucoup non, d'autres l'ensemble. Hellfest. Toute ta Bah, c'est carrière. difficile pour le meilleur souvenir, c'est difficile de ne pas dire le Hellfest, puisque Le Hellfest, oui, ouais, voilà. bah, enfin voilà, on en a déjà parlé, donc bon. Pour moi, c'était un peu, enfin, je sais pas, un aboutissement, c'est un grand mot, mais Oui, la Mecque. une consécration. Disons, ouais, voilà. Une Enfin, consécration, quelque part. puis bon, voilà, ça s'est super bien passé parce qu'on a été très bien accueillis Bien par accueilli, oui, j'ai les vu ça. équipes techniques du Hellfest, parce que voilà, il y avait quand même du monde, même si on a joué Oui, très en tôt. début de matinée. Oui. Non, c'était vraiment génial, quoi. Donc après, bon, il y a des moments beaucoup plus simples qui sont très agréables aussi. Enfin, voilà, quoi. Oui, oui, oui. C'est sur le Disons moment que que tu te celui-là sens est bien. le Mais plus bon, voilà, emblématique, quoi. on va dire. Donc, pour un musicien, après, avec TNT aussi, j'ai vécu des trucs super, Oui, quoi. Parce dans que, des zéniths, oui, dans des ouais, voilà, endroits. j'ai la chance de travailler avec des équipes professionnelles. C'est Oui. quand tu as un son gargantuesque sur scène, Oui, avec c'est quelque chose, Electio et quoi. compagnie, Ouais, c'est génial. oui. Et le pire, je sais pas trop. Il n'y en a pas. Si, bah, après, ça date de Mathusalem, quoi, mais je rappelle que quand je faisais du CAF-CONS, là, c'était dans la région, et une fois, on avait une partie du. Tout notre système qui dépendait d'informatique à l'époque, c'était Commodore, je ne sais pas comment ça s'appelait, quoi. Et on avait tous les sons qui étaient déclenchés par un ordinateur, et en fait. L'ordinateur a planté, donc je me suis retrouvé à faire un petit solo de You Really Got Me en son clair, je te jure, il est encore coincé là, quoi. Ah, j'ai adoré ce moment-là, quoi. Ah, ça fait partie des trucs. Eric. Bah, meilleur souvenir côté espagnol, je me souviens d'une date à Santander mémorable avec une organisation à la base un peu bancale. On n'était Et pas puis prévu. ça s'est fini complètement en cacahuète comme on aime. Le bar a été retourné, on était tous joyeux et on était en train de sauter partout dans le bar. Donc c'était excellente soirée, excellent moment de partage du coup avec les gens qui étaient là et un très très bon souvenir. D'accord. Et le pire, c'est pas vraiment musical, mais je me souviens aussi d'une nuit d'hôtel compliquée où tout le monde ronflait dans la chambre et c'est parfois compliqué Oui. d'assurer la date du lendemain C'est avec une heure de sommeil dans les pattes. Voilà. Ok, super. Alors moi, mon meilleur souvenir, ça date quand même de quelques années. C'était, on a eu l'occasion, avec le groupe de l'époque, de faire la première partie de Cortatu. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de Cortatu, ici. C'était un gros groupe côté basque. D'accord. Et donc voilà, pour nous, petit groupe, grosses conditions, pro, des sonos comme ça, au son de cathédrale. Donc super, super souvenir, quoi. Et un bon concert, puisque. Et le meilleur souvenir, le pire? Le pire, ouais. Eh S'il y bien, en la a. première partie de Cortatu. Si tu veux, parce que dès le matin, oh, des galères incroyables. C'est le concert de ta vie. Le camion tombe en panne, le matos tombe en panne. Fait tout, quoi. Tout était cumulé pour que ce soit une journée apocalyptique. Apocalyptique. Bon, et ça reste quand même un super souvenir. Le lendemain du concert, t'as pas dormi et tout, le temps de ranger et tout. T'es fatigué, mais t'es heureux, quoi. Voilà, rien que pour des moments comme ça, tu vois, c'est. Ok. Mais dernière question, c'est si vous avez un message particulier aux lecteurs de Rock Meeting, ma foi. Oui, venez nous voir. Achetez le disque. Achetez plein du nouvel album. Exactement, le 10 mai, dans toutes les bonnes crèmeries, The Devil's D'accord. Chez Brennus, chez Brennus. Rappelons, chez Brennus. Distribution nationale, internationale et numérique. Ok, ça marche. Eh bien, merci pour cette interview. Merci à toi. Merci à Bon toi. concert.